potes, c'est Suntage, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'information sur Fortnite. J'ai pas mal de choses à vous dire et vous allez voir, les news sont dramatiques car il s'est passé quelque chose a été modifié, je n'en dis pas plus, on aura l'occasion d'en parler dans la vidéo. Alors du coup les potes, préparez-vous parce que je vous envoie le sommaire tout de suite, c'est parti. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on parlera de quelque chose que l'on connaît sûrement tous très bien, c'est quelque chose qui a disparu de Fortnite aujourd'hui, c'est pourquoi je me dois de vous faire un petit rappel et à mon avis vous risquez de carrément kiffer. On parlera aussi des défis de Tina car il y a pas mal de choses à dire dessus, enfin bon, comme notamment les buissons vénères à visiter et pas mal d'autres choses. On parlera aussi du bus de combat et il est parti sans quelqu'un, vous allez voir, j'ai pu vous dégoter une vidéo juste totalement incroyable. Et aussi en fin de vidéo, information la plus importante, attention, le coronavirus a annulé énormément d'événements sur Fortnite, comme notamment un événement juste exceptionnel que l'on attend tous chaque année. Et vous allez voir, il se pourrait que cela ait un impact direct sur Fortnite et sur le jeu vidéo lui-même. On aura l'occasion d'en parler en fin de vidéo, mais vous allez voir les potes, c'est juste un truc de ouf. Et à mon avis, vous devez dès maintenant faire un stock de mini popos pour vous préparer à l'épidémie sur Fortnite. Alors du coup, on va commencer la vidéo tout de suite, mais juste avant, je compte sur vous pour vous abonner les potes, tous ceux qui ne sont pas abonnés. Faites-le, je compte vraiment sur vous. Un grand merci à celles et ceux qui m'ont ajouté en tant que créateur Sunted S-U-N-T-T-E-D dans la boutique, ça me fait vraiment super plaisir. Et du coup, n'oubliez pas de m'envoyer vos gameplays, le lien est dans la description. On commence la vidéo tout de suite, c'est parti. Allez, comme je vous l'ai dit, il faut que je vous parle de quelque chose qui a disparu de la carte de Fortnite. Il s'agit d'une ville, une ville que l'on connaît sûrement tous très bien. Pourquoi? Car on a dû y aller énormément de fois dès le début de la game, ou tout simplement y passer un moment ou à un autre. Il s'agit d'une ville légumes, j'ai nommé Tomato Town. Est-ce que vous vous rappelez de cette ville qui était juste incroyable? Franchement, pendant un moment, elle avait été élue ville préférée des joueurs de Fortnite, car on va pas se le cacher, c'était une ville juste exceptionnelle. Elle était un peu centrée sur la carte, il y avait pas mal d'armes et d'un côté c'était assez calme, c'est sûr que ça n'avait rien à voir au niveau de la fréquentation avec Tilted Tower et personnellement, et bien moi, avec Tilted, Pleasant Park et Tomato Town, c'était mes villes préférées, notamment Tomato, mais aujourd'hui, elles ont toutes disparu sauf une, vous vous en doutez, il s'agit de Pleasant Park qui est toujours là, car oui, bah Pleasant Park c'est Pleasant Park, on espère que ça ne bougera pas. Après d'un côté, on disait la même chose de Tilted Tower, que c'est impossible qu'elle soit détruite, nanani nanana, et au final ça n'avait pas loupé suite à l'éruption volcanique qu'il y avait eu lors des saisons précédentes, et bien la carte de, enfin pas la carte, mais plutôt Tilted Tower avait disparu et franchement c'était carrément tragique. Tomato Town a lui aussi disparu et on espère aussi que Pleasant Park ne va pas en faire les frais de modification, car oui, c'est vrai que Pleasant est là depuis le départ, on la kiffe, c'est l'une des seules villes qui reste actuellement des saisons précédentes, alors clairement il faut tout faire pour garder cette ville, c'est moi qui vous le dis. Et d'ailleurs dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelle ville était votre préférée dans les saisons précédentes. Allez, maintenant il faut que je vous parle de Maya. Comme vous le savez, Maya est un skin que l'on a l'occasion de modifier directement au niveau du pass de combat, c'est à dire qu'on peut modifier sa couleur de cheveux, ses tatouages, etc, etc, jusqu'à modifier ses pompes, c'est-à-dire ses chaussures. Donc bon, voilà. Alors, j'aimerais un peu savoir quelles modifications avez-vous effectué dessus. Moi, personnellement, je lui ai mis énormément de tatouages sur tous les bras, avec, eh bien, une coupe assez courte, mais j'hésite sur un truc, c'est pour ça que je vous en parle, les potes. C'est au niveau du t-shirt ou du pull, c'est-à-dire que vous pouvez soit lui mettre un t-shirt à manches courtes, soit un t-shirt à manches longues, et personnellement, j'hésite entre le manche longue, car oui, c'est vrai que si je lui ai mis des tatouages sur tous les bras, eh bien, ça serait un peu dommage de les cacher. Alors voilà, les potes, je vous demande votre aide si vous avez des avis au niveau du site de Maya. Eh bien, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Allez, maintenant, j'aimerais vous parler des défis de Tina. Car oui, il y en a des nouveaux, on s'en doutait. Et les défis sont quand même assez cool. Il faudra notamment visiter des buissons vénères du circuit de tondeuse. Et aussi Risky Reels. Enfin bon, voilà, vous l'aurez compris. Il faudra visiter différents petits lieux qui nous permettront au final de déverrouiller une variante pour cet agent secret. Donc, soit de la faction des ombres, soit de la faction fantôme, et on va pas se le cacher, mais moi personnellement, les buissons vénères, je trouve ça quand même assez stylé, car oui, ils portent bien leur nom, regardez pourquoi, clairement on y voit des buissons un peu énervés. Alors pourquoi sont-ils énervés? Eh bien je ne sais pas, je vais mener ma petite enquête, mais bon, je pense qu'il s'agit juste d'un troll de la part de Fortnite et Epic Games, et franchement je trouve ça carrément cool. Et je vous affiche la carte d'où on peut aller visiter ces fameux petits lieux. Alors voilà, je vous invite à la screen et à aller réaliser ces défis directement
directement in-game car ils sont assez cool, assez faciles à réaliser et en plus ils vous permettront d'obtenir de l'XP et des variantes de skins. Alors maintenant, à mon avis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, les potes, là, pendant qu'on est dans cette petite vidéo, je me suis dit il fallait quand même qu'on aille réaliser un peu ces fameux défis de Tina tout en prenant le pont bleu, bien évidemment, histoire de vous montrer un peu ce à quoi ça va ressembler directement in-game. Donc on aura plusieurs petits lieux à visiter comme je viens de vous le dire, notamment ici, juste là, après il y a ici et le circuit qui est à peu près vers là. Mais bon, on va déjà aller juste là, au niveau de Pleasant. Et franchement, j'ai découvert un petit truc assez drôle. Si jamais vous voulez troller les autres joueurs sur Fortnite qui veulent réaliser leur défi, franchement, c'est pas très cool, mais c'est assez drôle à faire parce que j'ai vu quelqu'un qui cherchait les buissons et vous allez voir pourquoi il ne les a pas trouvés. Parce que si vous êtes un petit filou, vous allez penser à la même chose que moi. Mais bon, je n'en dis pas plus. Nous allons voir ça. Regardez, bon, vous savez quoi, on peut aller... En fait, on aurait pu aller ici. C'est là le premier lieu qu'il faut visiter. Mais bon, ça, vous le savez, les potes, vous visitez cet endroit, etc. Et une fois que vous l'avez visité, eh bien, Pleasant Park disparaît. Non, je rigole, là, c'est juste un bug de texture au niveau de Pleasant Park. Vous allez au niveau des buissons. Et au niveau des buissons, qu'est-ce que vous y verrez? Eh bien, vous allez arriver juste ici, en espérant que personne n'arrive au même endroit que moi, parce que ça serait un peu... Ça partira en cacahuète. Et là, vous avez ça. Bah, tout le monde vient là. Non, mais commence pas à me frapper, toi! Ah voilà, il casse les buissons, c'est exactement ça en plus. Qu'est-ce qu'il fait? Ah lui, il veut juste faire les défilés. Eh ben on va t'empêcher de les faire, de mourir direct. Ah si, ah bah si, eh bien pour le coup on n'aurait pas pu trop l'empêcher. Donc en gros vous venez ici et vous visitez cet endroit. Et en fait il a fait exactement ce que je pensais, c'est qu'en fait il a cassé les buissons. Donc du coup s'il casse les buissons, eh bien les autres joueurs qui vont arriver, ils vont pas voir cette marque au sol parce que là on la voit bien. Mais admettons que t'arrives d'un petit peu en dessous, mais d'un tout petit chouïa, hein. Et bah là mon gars je te jure que tu vois plus rien du tout mon pote. Là je te dis tu vois que dalle et tu dis bon bah finalement les défis ne sont pas encore sortis. Alors que si, ils sont sortis, c'est juste lui, tu vois, il s'est dit bon bah tiens allez vas-y je vais les casser comme ça je vais empêcher les autres joueurs de voir ce qui se passe. Et ça c'est pas très très cool, on va pas se le cacher. Donc une fois que vous serez arrivés ici les potes, vous arrivez tout simplement à Gris, il faut aller là, bon je me rappelle plus du nom. Enfin si c'est Grisy. Et non c'est pas Grisy, qu'est-ce que je raconte, attendez laissez-moi le temps de vérifier. Risky, je dis Grisy, Risky. Et ensuite vous allez juste ici, c'est juste là, ici là. Et vous aurez fini vos petits défis. Voilà, on se retrouve directement dans la vidéo. Attention pour la transition, ok là. Allez, maintenant, il faut que je vous parle d'un joueur. En gros, je vous explique, il a lancé sa game et, comme tout le monde, il est arrivé dans l'espèce de hill qui est avant la game, c'est-à-dire juste avant de prendre le bus. Et ça m'a fait penser à quelque chose, la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que, lorsque vous alliez à l'école, ça vous est déjà arrivé de louper le bus ou le métro? Là, on se retrouvait comme des idiots à attendre comme ça, à savoir ce qu'on allait faire. Eh bien, ce joueur-là, il lui est arrivé exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, c'était directement in-game. Le bus est parti sans lui et il n'a pas pu jouer avec ses coéquipiers. Regardez-moi ça, on se retrouve juste après. Et bah là, le poteau, clairement, il était dans de beaux draps, car oui, une fois que t'es bloqué sur l'île et que le bus est parti sans toi, eh bien, à mon avis, tu n'as plus qu'à nager jusqu'à l'île, même si c'est juste impossible avec la tempête, de toute façon, elle va t'avoir bien avant que t'arrives. Il y aura en plus des murs invisibles, donc laisse tomber. Donc là, clairement, il n'a plus qu'à quitter la game, c'est un peu dommage, mais bon, c'est un petit bug sympa. Allez, maintenant, beaucoup plus sérieusement, les potes, le 3 a été officiellement annulé cette année, en 2020, à cause du coronavirus, oui, vous vous en doutez. On en a tous entendu parler, l'épidémie qui fait rage en ce moment un peu partout dans le monde, et eh bien cela touche même directement Fortnite, le jeu vidéo, et le 3 lui-même qui se déroule dans un autre pays, mais il est officiellement annulé, vous vous rendez compte, ce truc de malade. Donc franchement, j'espère que cela ne va pas trop impacter Fortnite à l'avenir, car oui, il se pourrait qu'il n'y ait plus de mise à jour, admettons, si le coronavirus va trop loin, et eh bien le directeur d'Epic Games pourrait interdire à ses salariés de venir travailler
travailler, ce qui veut dire plus de mise à jour, plus de serveurs en ligne, et on ne pourrait tout bonnement plus jouer à Fortnite. Alors j'espère que cela n'arrivera pas, car oui, c'est bien pire que les scénarios de fin du monde qu'on avait vu sur Fortnite, comme par exemple le volcan. Eh bien, tout cela n'était rien comparé à ce qui peut arriver prochainement. Alors les potes, il va falloir rester à l'affût, car il va falloir s'accrocher, croyez-moi. Voilà les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour me mettre un pouce bleu les potes juste en dessous de la vidéo, pour vous abonner pour ne rien rater des vidéos suivantes, et un grand merci à celles et ceux qui m'ont ajouté en tant que créateur Suntel. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, dans un prochain live. Ciao les potes.